La République démocratique du Congo est un scandale géologique qui regorge de multiples richesses et potentialités dans le secteur de l'énergie et des mines. Une illustration dans le domaine de mines, l'accès au cuivre, cobalt et au coltan est un pactole pour les industries locales comme internationales, attendu que les filiales des géants fabricants mondiaux sont au rendez-vous. D'un côté, l'envolée du cours de cobalt qui n'a pas encore dit son dernier mot. De l'autre côté, la demande du cuivre qui ne cesse d'accroître et les coltans qui demeurent indispensables dans un pays comme la RDC qui est encore en quête des capitaux, investisseurs et investissements étrangers. En ce qui concerne le secteur de l'énergie en RDC, nous pouvons retenir ces chiffres. Hydroélectrique, potentiel exploitable de 100 000 mégas. Solaire, potentiel exploitable entre 3250 et 6750 watts-heure par 1000 m3 par jour. Bois, 1 250 millions de tonnes de bois, 122 millions d'hectares de forêt équatoriale. Charbon minéral, 750 millions de tonnes. Gaz naturel, 57 milliards de m3 de gaz méthane dissous dans le lac Kivu. Uranium, on sous-entend 1800 tonnes identifiées. Pétrole, 230 millions de barils de réserves déjà connus, ainsi que le secteur de la géothermique, de l'éolienne, de la biomasse qui reste encore non exploité. Ainsi, le métier de courtage en affaires dans la mise en relation entre entreprises, prestataires et fournisseurs et celui des lobbying dans le domaine de l'énergie et des mines permettent de présenter aux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, les avantages d'investir dans le secteur de mines et de l'énergie en RDC. Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été nombreux à nous suivre partout dans le monde par rapport à l'émission passée où nous avons reçu pour vous Anne-Émilie Kasongo-Yotou, un entrepreneur dans le domaine des finances. Nous avons parlé avec elle, vous nous avez appelé de partout. Ce soir, nous revenons avec un nouveau participant qui va nous parler de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, comment booster cette jeunesse au sein de l'entrepreneuriat. Avant de commencer et de débuter notre émission, nous allons saluer tous ceux qui nous soutiennent dans le monde, en Afrique, RDC, Walungu, à l'Est, Katanga. Nous revenons vers le centre, les deux Kasaï. Nous allons vers le Kisangani, nous allons vers le Mami. Et nous voyons l'Afrique, le Gabon, nous voyons le Ghana, nous voyons tout cet espace qui parle la langue française, qui partage la langue française. Nous allons aussi en Europe, la France, la Suisse, la Belgique. Nous allons aux États-Unis d'Amérique où nous avons un bastion qui nous suit. Et tous ceux qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple au Japon, vous avez Dubaï, ainsi de suite. Vous pouvez nous suivre cette émission en direct sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV, ainsi que sur la page Data Market sur Facebook. Et là, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité de ce soir, Souleymane Kaouka. Bonsoir, Souleymane Kaouka. Bonsoir, cher ami Katende. Merci de nous recevoir. Merci, merci aussi à vous. Souleymane Kaouka, ou Soulé pour les intimes, est un porteur d'affaires, lobbyiste dans le domaine des mines. C'est un entrepreneur. Avec lui, nous allons échanger par rapport à cette jeunesse qui doit entreprendre. Il a des propositions à faire à ces jeunes ainsi qu'aux décideurs. Soulé, pour les intimes, s'il faut vous présenter, mieux vous présenter, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Un jeune entrepreneur. Je suis porteur en affaires et lobbyiste dans le domaine de l'énergie et des mines. Et j'ai une structure aussi dans l'immobilier, notamment ici où nous sommes, à la Cité du Fleuve. Et je suis aussi administrateur d'une fondation, d'une grande star du pays. Et également, je suis aussi assistant de cette star. Et en même temps, je suis DG de ma propre compagnie. J'ai une compagnie, Magem Congo, qui est dans ce domaine dont je vous ai parlé. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Soulé, ma première question, c'est qui est un jeune qui entreprend, selon toi?
Un jeune qui entreprend, c'est si simple que ça. C'est un jeune, comme on le dit, qui a des ambitions, qui veut être utile à la société sur le plan économique, sur le plan social aussi, c'est toujours entreprendre. Et puis, sur divers plans, on est entrepreneur pas que dans le domaine des affaires ou dans le domaine commercial. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ce jeune qui a des ambitions, qui envisage être utile à la société d'aujourd'hui tout en faisant une affaire commerciale qui pourra être pour le bien communautaire et bien sûr tout en faisant de bénéfices, des trucs comme ça. Voilà. Pour moi, ça se résume à ça. Il peut avoir peut-être une définition beaucoup plus explicite, mais pour moi, ça se résume à ça. L'entrepreneur est cette personne qui a identifié un problème dans sa communauté et arrive à proposer une solution adaptée à ces problèmes. Ainsi, pour y parvenir, l'entrepreneur devrait réunir le qualité ci-après. La créativité, la rigueur, l'humilité, la confiance en soi et le leadership. Comment un jeune peut se lancer dans les affaires comme Soulé, tu t'es lancé dans les affaires, tu t'es décidé. Comment un jeune peut trouver ses pas dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, ça dépend. Moi, je vais parler de mon cas. Tout à fait. Moi, je ne me suis pas lancé aussitôt. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. C'est seulement il y a 2 ans que j'ai commencé à le faire. Et vraiment, proprement dit, il y a une année seulement. J'ai eu mon bac. Je reviens un peu en arrière. Pour que vous compreniez un peu tout à fait, oui. Quel a été mon parcours. J'ai eu mon baccalauréat en 2005 au collège Saint-Joseph à Elika. Et après, je suis allé faire mes études universitaires. J'ai commencé par l'Afrique du Sud et puis après, je suis allé au Maroc. J'ai fini. En 2010, je suis rentré à Kinshasa. J'ai commencé à travailler à la SGI, Société Générale Industrielle. C'était pendant que le gouvernement de l'époque avait le programme des 5 chantiers. Et je travaillais, la société pour laquelle je travaillais était une des sociétés qui travaillait avec la CGT. Et c'était en 2010. De 2010 à 2013, j'ai travaillé pour la SGI. J'étais responsable du département marketing et approvisionnement. Et c'est là, le macadam que vous voyez ici. Et au début, on sous-traitait aussi pour ici. C'est là que j'ai connu ce projet de la Cité du Fleuve. Parce que j'ai travaillé pendant toute une année sur ce projet. Et après, j'ai quitté en 2013. Je suis venu travailler ici à la Cité du Fleuve comme délégué commercial. Et voilà, jusqu'en 2016. Et en même temps, en 2013, quand j'ai commencé ici, Fally Poupa a lancé sa fondation. La fondation Fally Poupa. Moi, j'étais déjà avec lui en tant qu'assistant, déjà à l'époque. Et il a lancé la fondation. Il m'a aussi. On est à 4 à diriger la fondation comme administrateur. Et j'ai eu aussi une petite part de responsabilité dans cette fondation. Ça, c'était en 2013. C'est au même moment où je commençais ici. Et en 2016, j'ai lancé Majem Congo, qui est dans ce domaine dont je vous ai parlé. Et pour moi déjà, ça faisait pour moi 6 ans d'expérience comme salarié, d'abord responsable logistique et approvisionnement à la SGI, après délégué commercial à la Cité du Fleuve. Et puis voilà, donc on acquiert une certaine expérience, on voit certaines choses, on découvre beaucoup. Et ce qui est vrai aussi, en étant dans le social aussi, avec la fondation de Fally, vous découvrez encore beaucoup plus, ça vous ouvre beaucoup plus de portes. Et on a profité de l'occasion, on a dit pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a une certaine vague de jeunesse qui arrive, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminés. Donc c'est un peu ça. Alors pour nous, on s'est dit pourquoi pas aussi se mettre dans la danse et tout ça. Donc c'est un peu ça. J'ai eu l'idée en 2016, j'ai créé Majem Congo. Dans le courtage en affaires, dans le domaine des mines et de l'énergie. Et bon, voilà, je sous-traite pour un projet aussi qui paye, qui est en train de faire un barrage hydroélectrique à Sombwe. Et en même temps, je suis, comme on a
Aujourd'hui, le code minier a été révisé aussi il y a quelques mois. Cela nous a encore permis dans notre nouveau, pour moi c'est nouveau, c'est un secteur nouveau que je découvre, d'œuvrer encore beaucoup mieux. Parce que quand on voit ce qui est dans le nouveau code minier, c'est avantageux à nous les nationaux. Vous savez, la sous-traitance normalement, aujourd'hui, qui trouve beaucoup plus sa place aussi dans beaucoup plus de secteurs. Dans presque tous les secteurs aujourd'hui, il y a une sous-traitance. Et dans le code minier, par rapport à ce domaine minier, on trouve que, disons, on voit que la sous-traitance est remise aux Congolais, disons, et d'abord pour les nationaux. Tout à fait. Voilà. Alors, donc pour nous, c'est une bonne opportunité à saisir pour nous qui sommes nouveaux dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez voir que pendant 2 ans, j'ai un peu parcouru le monde dans des conférences, des forums. Et en avril prochain, je serai panéliste au Forum international des Amériques, Forum économique international des Amériques en Floride, où je vais parler aussi de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, le domaine minier et tout ça. Donc c'est un peu ça. Souleymane Kaouka est un jeune entrepreneur congolais spécialisé dans le domaine du courtage en affaires et du lobbying dans le secteur de mines et énergie en République démocratique du Congo. Pendant des années de suite, il parcourut le monde dans différents colloques, symposiums et conférences dans le monde pour faire son expertise ainsi que parler des potentialités du Congo dans les buts de gagner du marché pour notre pays. Actuellement, il est à la tête de sa propre entreprise dénommée Majeb, une entreprise de droit congolais basée à Kinshasa et œuvrant dans les secteurs de la sous-traitance, courtage en affaires et lobbying dans le domaine de l'énergie et des mines. Soulé, je suis vraiment content, je suis très heureux, et même les téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde, de constater, un, jeune que vous êtes, vous avez un parcours riche. Vous avez reconnu premièrement qu'avant de se lancer, il faut acquérir de l'expérience. Vous êtes fait embaucher dans une entreprise, vous êtes fait recruter, où vous avez pris, vous avez ouvert les yeux et à partir de cela, entrer dans un nouveau monde, parce que j'entends là, vous nous parlez du secteur de l'énergie, des mines, et à très bientôt, vous nous dites... Vous serez panéliste dans une conférence internationale. Donc, vous êtes une personne ressource à qui les jeunes aussi peuvent s'inspirer. Ma question est celle-ci. Nous prenons par exemple les mines, parce que vous l'avez si bien dit, le nouveau code minier donne plus d'accès aux Congolais, aux nationaux, de pouvoir œuvrer. Comment faire venir les jeunes dans ce domaine-là? Parce que, dans les domaines de mines, vous êtes porteur d'affaires et lobbyiste dans les secteurs de mines. Comment faire venir les jeunes? Comment les intéresser? Parce que beaucoup vont vous dire, c'est compliqué, il y a trop de paparasse, trop d'administratifs, et puis c'est trop professionnel. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Bon, ça dépend. Vous savez, moi je ne suis... Que quand on dit domaine de, le domaine minier, il est vaste. Très vaste. Quand vous dites domaine de minier, ça veut dire moi je ne suis pas, je n'exploite pas, je n'exploite pas, je ne suis pas producteur. Je suis juste, je suis là pour convaincre les investisseurs à venir au pays, investir dans ce domaine-là. Je suis là pour beaucoup plus vendre l'image de la RDC à l'étranger. Ce qui va faire que ces investisseurs-là soient aussi beaucoup plus attirés au pays et dans ce domaine-là. Mais si je dois dire quelque chose aux jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est d'abord d'acquérir de l'expérience. Ça veut dire, tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies minières aujourd'hui au pays. Il y en a beaucoup. Quand vous allez au Katanga, il y a plusieurs compagnies minières. Il y a beaucoup de sous-traitance dans le domaine des mines. Il y a beaucoup de compagnies qui explorent. Donc, pour moi, ce serait d'abord un très bon début pour eux. Et puis après, quitte à chacun de voir si nécessaire, il est nécessaire de se lancer en privé ou en solo, si on peut le dire. Donc, c'est un peu ça. Mais le domaine minier comme tel, je n'ai pas beaucoup d'expérience technique. Oui.
J'ai une expérience. Mais cette facette de faire montrer ce qu'il y a de meilleur au Congo dans les domaines de mines, c'est ça votre force. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que fait l'ANAPI aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion des investissements du Congo. C'est un peu ça. On fait un peu la même chose. Et dans le secteur de l'énergie, aujourd'hui, peut-être que les gens ne le savent pas, la RDC a libéralisé ce secteur depuis plusieurs années. Et c'est aussi une bonne opportunité pour les investisseurs et les entrepreneurs locaux. Quand je dis libéraliser, ça veut dire avant, on ne connaissait que la SNEL qui gérait le barrage de Inga. Qui exerçait un monopole. Voilà, oui. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il faut le dire, la SNEL est un peu essoufflée. Le barrage, le grand barrage de Inga est un peu en veille, si on peut le dire. Donc, il y a des petits projets qui naissent, des petits barrages, sans, comme le projet de Sombwe dont je vous parle, qui est au Katanga, qui va produire 140 MW d'électricité. Il y a des projets à l'est, il y a des projets dans le centre du pays, des projets de l'énergie. Donc, c'est des projets à encourager. Aujourd'hui, nous préférons que ce soit beaucoup plus les nationaux, les Congolais, qui se mettent dans ce domaine-là. Et bien entendu, on pourra laisser à l'État cette tâche de relever le grand barrage de Inga. Voilà, donc c'est un peu ça en général, en gros. Ce que j'aime en vous, ce sont des domaines peu communs que les gens ne connaissent pas assez bien, que ce soit les mines, donc quand on parle de porteurs d'affaires et lobbyistes en mine, par exemple un marketeur qui présente la visibilité de la RDC par rapport aux potentialités et à l'investissement dans les mines. Et quand vous parlez d'énergie, nous voyons la RDC qui regorge d'un potentiel énorme d'énergie nouvelle et renouvelable, par exemple en plaçant des panneaux solaires, l'énergie. La RDC a un potentiel de 100 000 mégawatts, s'il faut de tout, pas seulement l'énergie hydraulique, l'énergie hydroélectrique, pardon. S'il faut prendre l'énergie hydroélectrique, il faut prendre l'énergie solaire, l'énergie éolienne et tout ça. Tout à fait. On a 100 000 MW de production, de capacité de production. Et rien que le grand barrage Inga, s'il faut mettre tous les trois, les 1, 2, 3, Inga 1, Inga 2, nous sommes à 44 000 MW de production. Mais là, nous ne produisons que 2 000 MW. Tout à fait. Donc, il y a ce manque à gagner là énorme qu'on connaît et qui n'est pas normal, qu'il faut essayer de surmonter. Donc, s'il fallait, par exemple, proposer à l'État congolais pour faire venir des jeunes entrepreneurs dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le message à passer? Parce qu'il y a un problème de déficit communicationnel. Par exemple, pour beaucoup de jeunes, le jour en vous suivant ce soir dans Data Market, ils sont en train d'apprendre, ils disent, tiens, il y a un jeune qui est dans ce domaine, pourquoi seulement lui, pourquoi pas nous? Donc, il y a un déficit communicationnel, il faudrait suffisamment communiquer sur ça. Oui, bien sûr. Bon, la RDC aujourd'hui, je crois que par année, elle déverse, c'est des millions des licenciés, des finalistes qui ont fini l'université et tout. Bon, moi, je dirais beaucoup plus que l'État doit nous aider dans ça. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand je vais, ça fait deux fois que je suis allé Africa Business and Forum en Égypte. Vous voyez des chefs d'État arriver de beaucoup de pays africains avec toute une délégation de jeunes entrepreneurs du pays. J'ai vu ça, deux, trois chefs d'État qui sont venus avec, dans leur délégation, des jeunes entrepreneurs qui ont accompagné le président pour venir entrer en contact avec les entrepreneurs égyptiens. C'était à Sharm el-Sheikh. C'est ça qu'on appelle encourager la jeunesse, encourager les jeunes, encourager cette façon de faire. C'est ça, c'est ce que nous voulons ici aujourd'hui. Il y a beaucoup, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes au Congo qui ont ce savoir-faire, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas la chance. Et le premier
À part vous-même, la personne qui doit vous donner cet élan, ce piston, c'est l'État. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, il faut que notre gouvernement d'aujourd'hui, ou même tous ceux qui viendront comme gouvernement, sachent que c'est d'abord eux les premiers à soutenir la jeunesse dans sur ce plan-là. Donc, voilà. Vous nous avez parlé de l'ANAPI. Plusieurs structures de jeunes. Aujourd'hui, il faut créer des richesses. Aujourd'hui, le jeune doit être impliqué dans les affaires tôt. Le jeune doit avoir des modèles par rapport au monde des affaires. Est-ce que sous les A, des exemples de modèles des affaires dans lesquels il peut dire, proposer à d'autres jeunes pour dire, voici, tels Congolais sont des modèles, nous aussi nous pouvons suivre ces modèles-là. Vous en avez comme exemple? Oh oui, hein, il y en a beaucoup. Bon, ceux qui peuvent me venir à l'esprit maintenant, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs au Congo. Monsieur Eric Munga, qui est président de la FEC Katanga, dont je suis membre. Monsieur Eric Mandala, qui est un jeune entrepreneur qui a beaucoup de sociétés, beaucoup de d'activités dans le pays. Bon, nous avons beaucoup. Si je me mets à les citer, peut-être que ça ne me viendra pas maintenant. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Le projet ici, par exemple, la Cité du Fleuve, où nous sommes, ce projet a commencé en 2010. Je travaillais déjà. Je travaillais à la SGI, mais je venais. On travaillait pour ce projet à l'époque déjà. Je connaissais. Partout où vous voyez ici toutes ces constructions, nous, quand, à l'époque où on a commencé à travailler ici, il n'y avait rien. C'était de la brousse, comme vous voyez là-bas. C'était toutes ces herbes-là et tout ça. Alors, ceux qui venaient, ceux qui ont cru en ce projet, déjà, à part le numéro 1 du projet, M. Robert Choudhury, il y avait des jeunes aussi qui étaient là, parmi ceux qui ont commencé avec ce projet. Donc, c'est pas seulement qu'il faut attendre que tout vienne de l'extérieur, de l'étranger. Nous pouvons nous-mêmes aussi, ici, à l'intérieur du pays, nous commencer avec des petites initiatives qui grandiront après. Mais bien sûr, avec toujours l'aide et le soutien de l'État, c'est très important. Souleymane Kauka, il y a un sérieux problème, le problème de financement. Pour se lancer en affaires, il faut avoir des financements. Ouais. Comment se créer ces financements, surtout pour les jeunes? Parce que beaucoup de jeunes qui vous suivent, ils disent, oui, Soul est en train d'expliquer, mais pour se lancer en affaires, il faut de l'argent. Comment se financer pour se lancer dans un projet entrepreneurial? Oui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une question délicate. Bon, le problème de financement est un problème sérieux que l'on rencontre ici au Congo. Parce que déjà, faut dire la vérité, les jeunes aujourd'hui ont des idées, veulent se lancer. Pas seulement dans un domaine, peut-être des mines ou je ne sais pas, mais ils veulent se lancer, créer des start-up, créer une petite entreprise. À l'époque, c'était compliqué de créer une société. Aujourd'hui, les choses sont un peu beaucoup plus simples. Grâce au guichet unique. Tout ça, on peut créer une entreprise en quelques jours. C'est bien, mais après, il faut que la totale suive. Il faut que les finances aillent avec. Il faut que la main d'œuvre soit de mise. Donc, ce que je veux dire, c'est que je reviendrai toujours à l'État. Ça veut dire... Tout à fait. Aujourd'hui, tous ces diplômés qui se déversent dans le marché de l'emploi et dans le marché des entreprises ou des créations d'entreprises doivent avoir un certain soutien. Soutien que nous, peut-être, on n'a pas encore eu, parce que bon, jusque là, en se lançant tout seul, c'est par rapport peut-être aux petites économies que vous faites, et après vous avez une idée de créer quelque chose, et puis il y a les relations, vous essayez de vous battre, c'est un peu ça. Mais normalement, il doit avoir un soutien de l'État par rapport aux jeunes qui ont des projets, parce que les jeunes qui ont des projets aujourd'hui, il y en a beaucoup. On a des amis qui ont plein de projets, on a des jeunes qui sortent diplômés aujourd'hui dans les universités, qui ont plein de projets. On a nos frères de la diaspora, par exemple, qui sont bourrés de projets. Moi, j'ai beaucoup d'amis
qui vivent à l'étranger, qui veulent bien revenir au Congo travailler, créer des entreprises et tout ça, mais qui sont butés à un problème, il y a le doute qui subsiste un peu. Je vais rentrer, je vais commencer, mais après, et si ça, voilà, c'est ça. Et c'est l'État qui doit mettre en confiance tous ces gens-là. C'est ça. Parce que, imaginez-vous, on est parmi les pays qui ont une diaspora assez nombreuse à l'étranger. Voilà. C'est des têtes. C'est un manque à gagner pour le pays. Ils travaillent à l'étranger, ils servent les pays étrangers, ce qui fait tourner l'économie des étrangers. Les pays des étrangers évoluent et nous, on stagne. Ça veut dire que tous ces gens-là, le jour où il y a une certaine confiance en eux qui renaît en disant que je vais rentrer dans mon pays parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ces avantages-là, il y a ces avantages-ci, les choses vont beaucoup avancer, beaucoup. Parce qu'ils ont une certaine expérience, il faut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, voyager, aller à l'étranger, voir ce que les autres font est très très important. Nous aujourd'hui, moi j'ai commencé à voyager à l'époque, j'étais encore élève. Ça vous change un peu les idées, vous comprenez certaines choses. Et tous ces gens-là qui vivent à l'étranger, bon, une bonne partie, parce que ce n'est pas tous qui ont acquéri. Tout à voilà, fait. Une bonne partie, il faut dire la vérité. Mais cette bonne partie-là est quand même, ce n'est pas un nombre à négliger. Aujourd'hui, s'ils décident de revenir travailler pour le pays, ce sera une très bonne chose. Parce qu'ils ont une certaine connaissance que certains d'autres ici qui sont restés ici n'ont pas. Et ceux-ci qui sont ici ont beaucoup d'autres idées aussi que peut-être eux non. Donc c'est tout un, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faire ensemble. Et pour ça, il faut une confiance. Parce que les jeunes aujourd'hui qui veulent partir, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus espoir. Ils se disent que le pays ne va pas mieux, le pays n'est plus un endroit ou un environnement, on ne me donne pas la chance d'évoluer, pourquoi je vais rester ? Il va, et ça, c'est un manque à gagner pour nous. Un manque à gagner. Donc, c'est ça. Soulé, je suis très content parce que là, vous êtes en train d'ouvrir l'esprit des jeunes. L'émergence d'une classe d'affaires congolaise ici en République démocratique du Congo est très importante. À part l'État, est-ce qu'il existerait, selon toi, des structures des Congolais qui ont des moyens pour financer d'autres jeunes, par exemple des business angels. Quelqu'un qui croit, il a son argent, il dit non, je vais, comme un mentor, par exemple, je prends le cas de la FEC, par exemple, Katanga ou Tué, il y a des Congolais qui ont assez de capitaux, qui se disent non, voilà, j'ai autant de jeunes, je peux prendre 5 jeunes sous mon aile, être un mentor et les aider à avancer leurs idées. Est-ce que c'est là aussi, ces initiatives privées ne peuvent pas prendre naissance auprès de ces Congolais qui ont assez de moyens, qui sont des grands businessmen, qui peuvent investir auprès de jeunes? Oui, mais bon, c'est, à ma connaissance, je n'en connais pas trop, c'est rare. Hein? Mm-hmm. Parce que bon, déjà, le peu, c'est peu de gens-là qui investissent ou qui cherchent à avoir des sociétés, il n'y en a pas beaucoup, il faut dire ça, ils ne sont pas nombreux. Oh, il faut avoir de la chance pour en trouver. Moi, j'ai eu cette chance-là, il faut être reconnaissant dans la vie. Il y a 2-3 personnes... Voilà, qui, pour lesquels j'ai travaillé peut-être avant, qui m'aident, pour lesquels je travaille encore, qui m'aident aussi. Bon, après, le reste, c'est toi-même. Mais bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là et c'est compliqué. Et normalement, ça ne se passe pas comme ça. Si aujourd'hui, si tous ces pays aujourd'hui qui évoluent, où il y a des jeunes qui sont des CEO, des DG des entreprises privées comme publiques, ça se passait comme ça, je ne pense pas qu'il sera à ce niveau-là. Mm-hmm. Ce n'est pas un individu seulement de soutenir un autre, mm-hmm. Ça dépend. Ça, c'est comme si tu travaillais pour la personne. Un mentor, oui. Moi, j'ai des mentors, j'ai des gens qui m'aident, qui me soutiennent, qui m'ouvrent des portes. Mais est-ce qu'il y en a, on le fait pour tout le monde? Je ne pense pas. C'est quand même compliqué de dire ça. C'est compliqué. Normalement, c'est l'État qui devait créer cet environnement-là. Ce climat des affaires apaisé, comme on dit, mm-hmm. C'est l'État qui doit créer ça. Soulé, tu es membre de la FEC. Je prends par exemple le cas du Katanga. Est-ce qu'il y a aussi d'autres jeunes qui sont avec toi, membres de la FEC au Katanga? Oui, moi, mon président de la FEC dirige la commission de l'énergie. Mm-hmm.
Donc c'est pourquoi j'ai eu la chance de travailler. Je travaille déjà pour lui, je travaille avec lui. J'ai acquis beaucoup d'expérience avec Monsieur Eric Monga. Donc c'est une chance pour moi aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a donné goût à ce monde d'entreprise, d'entreprendre. Donc c'est ça. Alors, au Katanga, oui, il y a beaucoup de jeunes, comme ici. Ici aussi, à Kinshasa, à la FEC, il y a toute une commission des jeunes, d'entrepreneurs, des jeunes qui sont membres de la FEC. Il y en a. Bon, pour ceux qui font, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de jeunes qui se débrouillent, pas mal, si on peut le dire, ici à Kinshasa, que je connais d'ailleurs. Donc, voilà. Soulé, pour réussir, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs ont eu à échouer. Tâtonner, ainsi de suite. Quelle est la place de l'échec dans la vie d'un entrepreneur? Est-ce que l'échec rend sage? Est-ce que l'échec donne de l'expérience? Bien sûr, bien sûr. Un échec ne veut pas dire qu'on a perdu, qu'on a tout perdu. Un échec peut être d'ailleurs avantageux à ce que tu fais. Moi, j'ai commencé en 2016, j'ai lancé ma structure, c'était pas facile. J'ai fait au moins 6 mois où il n'y avait rien qui se passait, je n'arrivais pas à décrocher des... Bon, les marchés, même jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même compliqué, mais les petits marchés qu'on décroche par-ci, par-là, quand tu organises une affaire et tout, c'était quand même compliqué. Mais l'échec, ça te donne encore une certaine force de reculer pour mieux sauter, si on peut dire. Donc, l'échec, pour moi, dans la vie d'un entrepreneur, est importante, si on peut dire. Elle n'est pas bonne à vivre, peut-être. Mais elle est importante. Elle est, c'est pas la fin du monde quand on échoue dans une affaire. Beaucoup ceux-là qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas commencé comme ça. Ils ont connu. Il faut les approcher pour qu'ils vous racontent comment ils ont bataillé. Mais moi j'en connais beaucoup aujourd'hui à Kinshasa. On les voit aujourd'hui comme ils sont là. On les chante, on les ceci, cela. Mais c'est des gars qui ont bataillé dur. Et il faut avoir un parcours. C'est beaucoup, c'est important. Mais le problème est que ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi aujourd'hui, ne documentent pas assez parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, beaucoup de jeunes terminent le bac, terminent l'université, ils doivent chercher un boulot, leurs parents leur demandent d'aller se marier, ainsi de suite. Ils entrent dans un cycle. Pourquoi? Ils ont cette peur de l'inconnu. Oui, je veux me lancer dans une start-up qui me dit que je veux gagner. Je veux faire ceci, cela. Carrément, on se cantonne tous quelque part et on ne veut pas aller dans cet inconnu risqué. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que quelque part, ceux qui ont réussi et qui avaient échoué avant ne documentent pas sur l'échec et dire être ces porteurs d'espoir pour les jeunes. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux aussi proposer à ces grands entrepreneurs d'aujourd'hui qui ont échoué hier de pouvoir documenter leur expérience de l'échec? Bien sûr. Ceux qui ont échoué comme ceux qui ont réussi, c'est du devoir d'un entrepreneur de chercher à assurer sa relève, que ce soit pas seulement dans sa famille ou je sais pas, parmi les siens, mais c'est très important, très très important. Moi j'ai eu beaucoup de conseils de ceux qui avaient commencé avant, qui te préviennent déjà de certains obstacles que tu peux rencontrer dans ce monde et tout. Donc si on peut le dire comme ça, C'est très important. Et quand on a une certaine expérience, on estime qu'on a une certaine expérience, c'est bien de... C'est évident et c'est toujours bien d'essayer de tirer les autres pour les aider. Soulé, nous sommes en train d'arriver. Nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Vous êtes aussi acteur dans le domaine social. Est-ce qu'un entrepreneur qui cherche sa vie, qui gagne sa vie, a aussi le temps de penser aux autres? Vous travaillez dans la structure où vous êtes membre chez Fally Ipupa, qui est une star dans ce pays. Vous travaillez dans le domaine de... Comment on appelle ça? On est dans l'assistance... La fondation Fally Ipupa est dans l'assistance sociale. Tout à fait. On est un peu dans tout. On est aujourd'hui, la fondation a été créée en 2013, en juin 2013. Je me rappelle très bien. Aujourd'hui, on est à 5 ans, la fondation a 5 ans de vie. Donc,
Pendant ces 5 ans, on a fait pas mal d'actions. Fally, c'est quelqu'un qui est mûr d'esprit, qui n'arrête pas de vous épater avec ses idées, avec sa façon de voir les choses. Alors, moi, je connais Fally, ça fait 16 ans. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas de le voir comme il est. Et il a eu cette idée de fondation parce qu'il voyait, bien sûr, comment les gens vivaient dans notre société et tout ça. Aujourd'hui, la fondation a 16 actions. On a parcouru presque tout le pays, toutes les provinces, on a presque. Il y a certains coins où on n'est pas parti, mais c'est dans les projets. Là, on était en train d'élaborer déjà le plan d'action pour l'année 2019. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir d'aider les autres, même si je le fais par rapport à Fally, parce que c'est lui le président de la fondation. Mais c'est un plaisir de participer ou d'être dans la lignée de quelqu'un qui est là pour aider les autres. Mais ma grande question, partager, ça veut dire quoi? C'est le cœur qui est disposé ou bien avoir assez de moyens? Le cœur d'abord, il faut avoir le cœur parce que les moyens, non, on peut partager le peu qu'on a. Fally ne donne pas, il donne pas comme par exemple l'UNICEF va venir vous donner, mais il fait ce qu'il peut et il va dans des coins où par exemple tous ces gens-là ne vont pas. Il faut dire la vérité. Et là, vous avez quel poste? Kavu, Kisangani, on a été. Le Bandundu à Kinshasa, on a fait beaucoup d'hôpitaux. On continue à le faire. On a fait des projets pour eau potable et tout. Donc, là, pour 2019, on a un plan. Il envisage construire une maternité qui sera gratuite pour toutes les mamans. Ce sera dans la commune où il est né, à Bandal. Il a grandi. Donc, on est en train de voir. C'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir des donations, des partenaires et tout dans ce domaine-là. Mais on se bat, il se bat comme il peut. Des fois, il met ses propres moyens. Bon, et puis après, il y a des gens qui le soutiennent, il y a des organismes. On travaille avec la MONUSCO, on travaille avec l'UNICEF. Il est ambassadeur de l'UNESCO. Des fois, on travaille avec l'UNICEF. Donc, c'est bon, on fait avec. Mais c'est une très belle expérience et c'est un grand plaisir d'aider. Un grand plaisir. Nous étions très heureux de vous recevoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Data Market? Quelle est cette lueur d'espoir que vous pouvez donner aux jeunes et les propositions concrètes à l'État? Parce que le nœud du problème, selon vos propos, c'est l'État qui doit impulser tout cela. Exactement. Je dirais, moi, mon message sera à ceux-là qui sont jeunes comme moi aujourd'hui. On ne vit une jeunesse qu'une fois. Il faut profiter, il faut saisir l'occasion. C'est maintenant qu'il faut créer, il faut faire la fondation de ce que vous voulez être plus tard. Je les encourage à être de plus en plus ambitieux et surtout d'avoir ce courage-là, cette volonté d'entreprendre. Aujourd'hui, le taux de chômage est trop élevé chez nous ici. Il y a beaucoup qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils ont. Et moi, j'encourage ça. J'encourage énormément ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des sociétés, des entreprises, jusqu'à ce que j'ai préféré voler de mes propres ailes. En tout cas, j'encouragerai ceux-là. Je ne leur demande pas de démissionner de là où ils travaillent, mais j'encouragerai ceux-là qui ont aujourd'hui des idées. Genre, dans 2 mois, dans 6 mois, 7 mois, je veux me lancer dans quelque chose, je veux créer une entreprise, c'est ça. Moi, aujourd'hui, à la Cité du Fleuve, je travaillais pour le propriétaire de la Cité du Fleuve. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me soutient. Je suis ici, je vis ici, j'habite ici avec ma famille, ma femme et ma fille. Je vois des jeunes pour qui, des fois, je vends des appartements ici, qui prennent à crédit. Et moi, j'encourage ça. Je suis parmi ceux-là qui ont pris à crédit ici et qui n'ont pas encore terminé de payer. Et j'encourage ça. C'est bien. Moi, je les vois. Et des fois, quand il y a certains qui dépassent le délai, je les encourage. Ils ont la volonté de le faire. C'est quand on est jeune qu'il faut avoir ça, acquérir une maison pour essayer d'assurer l'avenir des enfants. C'est ça. Et on encourage ça. Et ces jeunes-là qui veulent faire quelque chose, qui veulent entreprendre quelque chose, qui veulent faire quelque chose pour le pays, c'est bien. Aujourd'hui, chaque 3 mois, je suis dans une conférence à l'étranger.
aux États-Unis, en Égypte, en Afrique du Sud. Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud dans un forum, Business for Africa. Et au Katanga, il y a des forums miniers où on assiste. Là, je crois que je devais partir pour Indaba Mining, mais malheureusement, je suis empêché. C'est ça qu'on veut. Moi, je suis ouvert, je suis prêt à aider ceux-là qui veulent aussi entamer cette vie ici. Je vais les aider comme je peux, avec des contacts, avec des conseils. C'est ce qu'on peut faire. Parce que nous aussi, on nous a aidés. Il faut dire la vérité. On n'est pas ce qu'on est aujourd'hui pour rien. Et voilà, c'est le simple message que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui. Merci. Femmes comme hommes, parce que les femmes aussi ont une grande place aujourd'hui. Moi, ma femme a une entreprise de voyage, une agence de voyage. Je l'ai beaucoup encouragée dans ça, parce que les femmes ont une grande place dans les entreprises d'aujourd'hui, il faut le dire. Une femme qui reste à la maison, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, merci. En RDC, les jeunes entrepreneurs souhaiteraient avoir accès au financement, avoir accès dans des formations spécifiques d'entrepreneuriat, ainsi que la mise en place par l'État congolais des mesures permettant l'implantation d'une culture favorable à l'entrepreneuriat à travers des politiques de financement, d'enseignement et autres. Merci pour ton grand cœur, Souleymane Kaouka, pour les intimes Soulé. Il faut aider, il faut partager, il faut soutenir ces jeunes entrepreneurs, car le Congo de demain a besoin de cette jeunesse debout et forte et fière. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci à la grande équipe de Data Market, toujours à la même heure, 22h30 le lundi et la rediffusion le mardi à 11h juste. Restez branchés dans nos réseaux sociaux, toujours restez branchés sur KIN 24 Télévision. Soulé, je ne pense pas que ce sera une dernière fois. Merci beaucoup. Thank you.